un petit peu pénalisé. Et celui-ci, eh bien, il nous a éblouis au championnat du monde à Brisbane en Australie. Il a remporté la médaille d'or du concours général et il est redevenu champion d'Europe ensuite. Donc Ivan Ivankov, 19 ans, le Biélorusse, est assez exceptionnel, lui aussi, dans son style. Ce n'est pas Vitali Tcherbo, mais ça y ressemble. Voilà, Yurchenko, double vrille pour Ivankov. Un bon saut, pas de faute d'exécution, un tout petit peu bas à la réception. Voilà, rondade sur le tremplin, le flip dans le premier envol, l'impulsion, la double vrille. Sous un autre angle. Ivan Ivankov qui, hier, lors du concours général, est tombé au cheval d'Arçon. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'était un exercice difficile où Poujade et Casimir s'affirment comme les deux meilleurs Français, clairement. Et puis, au niveau mondial, eh bien, ils se sont installés maintenant. Et c'est Ivankov est tombé. Ce qui l'a handicapé pour remporter le concours général. Deuxième saut pour Ivankov, belge, beau gymnaste, bien équilibré, de bonnes jambes. 9,50 au premier saut. Plus tonique que Tcherbo, hein, il est plus athlétique. Un petit peu plus trapu aussi. C'est quasiment le même saut, il a supprimé simplement un demi-tour, vous avez vu, vrille et demi dans le deuxième envol. Rondade, flip, impulsion, un tour et demi. Yurchenko, vrille et demi. Donc 9,50 sur le premier saut, encore une très bonne note qui devrait être à peu près identique sur ce deuxième saut. Une moyenne